Eh bien, bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, allez hop, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Alors, une question. Comment faites-vous, vous, pour ranger les cartes que vous recevez, les cartes que vous réalisez? Est-ce que vous avez une méthode de classement? Est-ce que vous avez des endroits où les mettre? J'étais tombée sur une vidéo il y a quelques temps d'une Américaine qui rangeait ses cartes dans des boîtes plastiques. Avec des intercalaires, je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne idée. Et puis tout récemment, une de mes abonnées m'a demandé, mais dis donc, Céline, est-ce que tu pourrais me faire ou me montrer comment faire une boîte pour ranger mes cartes? Et je lui ai dit, ben, qu'est-ce que tu veux comme boîte? Des boîtes pour ranger des cartes postales, des boîtes pour ranger des cartes d'anniversaire plus grandes. Voilà, elle m'a dit, ah ben, c'est plutôt des cartes d'anniversaire, tout ça. Bon, très bien. Alors voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer ce projet-là. Donc j'en ai réalisé deux, une très sobre avec trois intercalaires. Donc pour l'instant j'ai mis trois intercalaires. J'ai mis d'abord les cartes de remerciement. Donc en fait c'est ce que j'ai le moins parce que c'est ce qui parle le plus. Donc j'ai mis mes cartes de remerciement dedans. Tac, j'ai mis celle-ci aussi. Ça c'était Crafty All Astor, j'avais fait avec son kit. J'adore toujours. Bon, elles sont toutes bien parties. Après, j'avais des cartes d'anniversaire que j'ai mises là. J'ai fait aussi des cartes. Ça, c'est encore avec le kit de Crafty All Astor. J'ai fait des infidélités à Stampin' Up. Celle-ci, c'est Stampin' Up. Voilà, toutes les cartes comme ça, de souhait, des cartes pour dire bonjour. Voilà, celle-ci, là, celle-là, faudra que je la mette sur mon site d'ailleurs. Elle est pas mal. Ou que éventuellement je fasse une vidéo. Voilà, donc moi je les range maintenant là-dedans. Évidemment, j'ai un modèle qui est réservé pour la personne qui me l'a demandé. Voilà, donc j'avais fait cette petite boîte. Donc je me suis inspirée d'un modèle qui existe déjà, bien sûr, mais je l'ai remis à mon goût. Voilà, donc j'en ai fait une dans les tons de bois. Et puis j'en ai fait une autre beaucoup plus punchy avec des couleurs. Alors c'est lèvres vermeilles, c'est le papier design chic tropical ou collection tropicale, truc comme ça. Le petit ruban grenouillerette, la petite, comment dire? Étiquette avec le mot carte, je vais y arriver. Et puis ensuite, bah pareil, même système. Donc là, j'en ai fait qu'une, mais on peut imaginer très bien d'en faire trois autres pour ranger toutes ces cartes à l'intérieur. Voilà. Alors, bah, si cela vous intéresse, eh bien, je vous invite à me suivre. Alors, pour réaliser cette boîte rose, vous allez avoir besoin d'un morceau de cartonnette de la couleur que vous voulez, qui va mesurer 29,9 cm par 25,4 cm. Vous aurez besoin, ça c'est pour la partie du fond, vous aurez besoin pour le couvercle. D'un morceau de cartonnette dans la couleur pareil de votre choix qui va mesurer 26,2 cm par 17,3 cm. Pour décorer ce couvercle, vous aurez besoin de plusieurs morceaux. Je vous les installe comme ça. Donc ce morceau-là va mesurer 15,2 cm par 6,3 cm. Ces deux vont mesurer 15,2 cm par 4,4 cm. Et ces deux petits vont mesurer 4,4 cm par 6,4 cm. Ça, c'est pour votre couvercle. Et ensuite, pour l'intercalaire. Donc vous aurez besoin d'un morceau de carte cartonnée qui va mesurer 11,4 cm
par 15,4 cm. Et le morceau de papier design qui pourra aller dessus, 14,3 cm par 9 cm. Voilà. Alors, une fois, on va commencer par réaliser le fond. Et on va donc, avant tout, on va faire des marques de pliure. Alors, dans le sens paysage, vous allez, donc le sens paysage, c'est comme ça. Vous allez faire une pliure à 7 cm et à 22,9 cm. Donc, je vais vous... Et en format portrait, donc dans ce sens-là, donc vous faites un premier pli, plutôt à 7,6 cm et un deuxième pli à 14,6 cm. Voilà, une fois que ceci est fait, on va pouvoir décorer. Et donc cette fois-ci, on peut utiliser des, évidemment, on fait ce qu'on veut. Là, j'utilise plutôt des tampons. Donc toujours le tampon chic tropical. Et je vais me servir de l'appareil à étamper, Stamparatus, parce que comme je veux étamper du blanc et que parfois on a besoin d'y revenir deux fois, je préfère utiliser la Stamparatus. Donc on est bien d'accord, là il n'y aura rien de toute façon, c'est le fond. On aura besoin de décorer ce côté, celui-ci, celui-ci et celui-là. Hop, on est parti. Vous allez placer un point, donc avec votre règle, vous faites une petite marque à 3 cm du haut, et pareil de l'autre côté, vous faites une petite marque à 3 cm du bord du haut. Et en fait, on va me permettre de faire une découpe, on va découper finalement cette partie là et cette partie là, donc deux petits triangles tout en haut. Voilà, donc avec le massicot vous alignez, alors soit vous prenez votre cutter et votre règle, et puis en alignant les deux points vous tracez un trait. Moi je fais tout au massicot, donc je mets dans la rigole le
j'aligne le point de pliage ici avec la marque à 3 cm que je viens de faire. Une fois que ça c'est aligné, je rabats, je tiens bien et je coupe. Voilà. Et pareil de l'autre côté. J'aligne donc la pliure, le point, le rabat. Voilà. Ensuite, bien, avec un plioir, alors moi je prends toujours le plioir du. Je disais plioir en os, mais moi je prends celui de l'enveloppe punchboard. J'ai que celui-là et ça me suffit bien. Donc je vais marquer les plis. Faire attention que la peinture soit sèche, l'encre soit sèche. Et j'ai oublié mon micro, voilà, je le remets. Hop. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir coller. Attention de bien aligner de façon perpendiculaire. Pareil là. Normalement, avec cette technique-là, on ne déborde pas. C'est-à-dire que c'est quand même bien, bien aligné. C'est cette partie-là qui fait le repère, en fait, pour aligner, pour venir placer ceci. Voilà, là, on est bien aligné. Pareil, après, je vais... Comme ça. Alors, en fait... En fait, il aurait été peut-être probablement mieux de faire l'inverse, parce que là on voit toutes mes découpes. Peut-être ça aurait été mieux de faire comme ça. Ainsi, on voit pas le. Ouais, on peut tout faire comme ça. Donc, il faut que je tamponne cette partie-là que j'ai pas fait. Donc, je vais couper ma vidéo et retamponner ici. Voilà, j'ai tamponné et donc maintenant je vais pouvoir coller. Donc là du coup mon affaire ne fonctionne, enfin voilà, ça va être un peu en biais, mais bon c'est pas grave. Bon les deux techniques se... Ouais. Ce qu'il aurait fallu faire, je pense, c'est la couper en droit et l'autre en biais. Tant pis. Voilà. Et après, on appuie pour bien que la colle prenne. Là, on fait pareil de l'autre côté. Voilà donc la base de la boîte est prête. On va pouvoir faire le haut. Alors pour le haut, là du coup plus besoin de tamponner puisqu'on a déjà nos cartes toutes prêtes. Ça c'est. Donc il suffit déjà juste de coller les différentes pièces. Donc il ne reste plus qu'à marquer les plis.
poser. Toujours mon pliroir. Et ensuite couper. Alors pour couper, eh bien je ferai la même chose que tout à l'heure. Ouais, donc en fait je vais, alors là pour le coup je vais vraiment couper tout droit celle-ci, celle-ci et les deux du côté un peu en biais. Voilà. Et donc, vérifiant exactement, ça passe exactement dans la boîte que l'on peut donc refermer. Alors, je reprends, je ne sais plus où la vidéo a coupé parce que je n'avais plus de mémoire sur mon appareil. Donc, j'ai utilisé des petites étiquettes qui étaient le A. Là. Alors par transparence, on voit un petit peu le, voilà, le A et on essaie de superposer, de le mettre juste pile poil pour que ça fasse la suite du mot. Quitte à moi en général, je mets dessus et j'écrase bien. Voilà. Ensuite le R que j'ai eu du. Non, c'était le T que j'avais du mal à trouver. Le R. Je vais le mettre un peu dans, vous allez mieux voir comme ça. Hop. Comme ça. Alors là, on s'aligne bien. Et voilà. Le T, alors le T, j'ai eu un mal fou à le trouver. Pourtant, il suffisait de suivre l'ordre alphabétique. Bon, je vous montre. Voilà, et en fait, je me suis en train de me rendre compte que j'ai oublié le S, parce que forcément, on va en mettre plusieurs dans cette boîte, les cartes. Ah bah oui, j'ai retrouvé, il est juste là, posé à côté. Donc, je vais récupérer le S. Yeah. Oh. RS, juste là. Ces petits, on les voit pas bien. Et le S, c'est comme ça. Voilà. Donc ça se défend, ouais, je trouve.
Alors, range tout ça. Je vais donc utiliser les mousses 3D pour le mettre là-dessus. Voilà, donc j'ai pris un morceau de ruban texturé, ruban à tissage texturé, grenouille guillerette. Alors un morceau de... Allez, on va dire 19 cm, coupé en pointe pour éviter que ça s'épiloche. J'ai mis mes petites mousses 3D en dessous. Alors, du coup, je vais... On va, enfin, falloir la ranger, hein. Moi, je vais faire quelque chose comme ça. Et votre petite boîte est terminée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à y ranger toutes vos cartes. Hop, là j'en ai quelques-unes qui traînent d'ailleurs. Je vais voir, je vais montrer. Hop, donc là effectivement je peux faire plusieurs. Enfin, j'en ai fait qu'un, donc je peux faire plusieurs. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie donc de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait très plaisir. Je vous remercie beaucoup. Et donc, je vous dis à très bientôt et bonne soirée. Bye!